Bienvenue à la mission L'histoire de l'art haïtien avec Madison Mason, Kalia Hawkins et Zion Parks. Voici le spectacle. Bonjour, je m'appelle Madison Mason. Je m'appelle Kalia Hawkins. Je m'appelle Zion Parks. Bienvenue à l'émission L'histoire de l'art haïtien. Premier, je vais présenter des tableaux haïtiens aujourd'hui. L'art haïtien est très intéressant à mon avis parce que ça peut être abstrait dans les sons et les styles. Par exemple, ces tableaux de Edo du Val-Carré pourraient avoir plusieurs interprétations. Les couleurs sur le tableau sont vives et le concept est abstrait. La femme est tenir quelque chose dans ses mains. Qu'est-ce que vous savez? Je pense que c'est l'énergie de la forêt. Un autre tableau célèbre est Christophe to the Citadel d'Alexandre Grégoire. Les couleurs sont plus générales que l'autre tableau, mais le concept est plus clair. Les gens ont des drapeaux et les soldats en bleu sont marchant à la synédoire. À mon avis, je pense que c'était un jour d'indépendance fêté. Enfin, le tableau de Franquanti est le plus bizarre à mon avis. C'était la semaine en janvier 2010, un tremblement de terre a tué beaucoup de gens. Les os des victimes sont représentés sur le tableau. Les couleurs sont très sombres, mais le style est clair aussi. Qu'est-ce que vous pensez du tableau et pourquoi? J'espère que cette présentation a aidé vous à apprendre à propos du tableau haïtien. Bonjour, aujourd'hui je parlerai des thèmes de Matora et de comment utilisés pour créer des sculptures haïtiennes. L'art haïtien a été fortement influencé par les cartoons de l'art français même après la indépendance. À l'époque, pour le Cumberland, ils créaient des poupées, des dessins et des enseignes, des jeunes, pensant que ces sculptures ont pu être créées pour représenter le divin. Divinités ancêtres du voodoo. Aussi, en la Nouvelle-Orléans, les gens ont un cartoon très similaire au français. Ils créent des poupées du voodoo et vendent les poupées dans la rue Bourbon dans des magazines comme Marie LaBrue's House of Voodoo. La sculpture contemporaine haïtienne est faite des matières naturelles, des médiums d'art traditionnels et des matières recyclées. Elle utilise des fruits et métal acier et à roue pour voir des sculptures. Et finalement, je vais parler à propos de l'artiste haïtien, spécifiquement un sculpteur Albert Mengonet qui a créé une statue qui s'appelle Negmeron. Albert Mengonet est né le 6 mars 1917 au Port-au-Prince, Haïti. Il a étudié l'architecture à l'Académie royale des beaux-arts en Bruxelles et éventuellement, il a fondé le Centre d'art au Port-au-Prince, où il est né. Le centre est très important pour découvrir les peintres haïtiens et les artistes. Aussi, Mengonet a créé le Negmeron, qui est une statue bronze au Port-au-Prince, Haïti, du futur enclave ou Negmeron. Maintenant, je vais interviewer un porte-parole pour Monsieur Mengonet, qui va parler de la statue et ses sens. Neil Roberts, bienvenue à la mission. Oui, bonjour, Madison. Oui, bonjour, Monsieur Roberts. Comment ça va? Ça va très bien aujourd'hui et je suis tout excité de parler sur la statue Negmeron. Oui, très bien. Donc, Monsieur Roberts, dis-moi de la statue. Oui, Albert a fini la statue en 22 septembre 1967. Et c'est un homme, Saint-Anne-Louis,
avec un chien à son chevet. Nègre marron est très grand et la statue est bronze aussi. Et pourquoi Monsieur Mangonet a créé la statue? Quel est ce sens? Albert a créé Nègre marron représentant la libération des personnes noires spécifiques en la révolution des Haïtiens. La statue est un emblème d'espoir. C'est la fin de la mission. Merci beaucoup. Merci et au revoir. Au revoir tout le monde.